Bon matin tout le monde. Je suis Renée Sévigny. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me suivre sur YouTube et sur mon site internet renéesévigny.com. Alors, je vais attendre quelques secondes pour m'assurer que des gens qui ont envie de me rencontrer soient là. Ben oui, bonjour. Bonjour Diane, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de la Saint-Michel. Salut Huguette, salut Nancy, bonjour Brigitte. Wow, vous êtes nombreux et je suis contente de vous voir vraiment, vraiment, vraiment parce qu'on se prépare à une fête exceptionnelle ce matin. Je veux vous parler de la Saint-Michel parce que il va y avoir un changement de saison bientôt. Naturellement, j'ai mis mes couleurs de printemps, d'automne ce matin. Salut Christiane, je suis contente de te voir à nouveau, de vous retrouver. On a travaillé fort tout l'été, on a été chercher beaucoup de richesses, puis c'est de ça que je voulais vous parler. Tous ces moments-là magiques que nous avons vécus et que nous allons vivre encore pour les prochaines semaines, c'est des moments précieux. Parce que c'est comme si nous allions cultiver des qualités et des vertus en nous, hein. Et tout ce que c'est qu'on met comme effort est récompensé lorsqu'arrive l'ouverture des portes le 21 septembre, lorsqu'il y a un changement de saison, il y a l'ouverture des portes dans l'invisible et une abondance d'énergie et de reconnaissance nous est transmise à tout le monde et à toute la nature. C'est la Saint-Michel. On appelle ça la Saint-Michel et c'est la fête des récoltes. Naturellement, dans notre culture actuelle, la fête des récoltes, c'est récolter les aliments que nous avons cultivés, les fruits, les légumes. Beaucoup de gens travaillent très fort pour essayer de récolter tous ces denrées qu'ils ont pris la peine de mettre en terre au mois de mars, au printemps, et qui ont commencé à cultiver à l'intérieur, dans des serres, et qu'ensuite on a fait germer tranquillement. Mais c'est la même chose pour nos qualités, nos sentiments, nos besoins, nos désirs, nos intentions. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que dans la vie, il y a des subtilités qu'on ne peut pas mettre de côté qu'on ne doit pas ignorer. Parce que ces subtilités-là, c'est ça qui crée justement la distinction, la force et la puissance qui peut s'imprégner en nous. Parce qu'en fait, c'est plus nous allons mettre d'efforts à aller, comme par exemple au lever de soleil, à faire des exercices en nature, respirer en forêt, prendre de l'oxygène, aller chercher des forces dans la nature, plus nous allons ressentir les bienfaits de cette énergie durant l'hiver. Mais c'est vraiment à la fête de la Saint-Michel que tout s'inscrit en nous, tout se manifeste. Quand on parle d'ouverture des portes, on parle d'une conscience plus large qui s'éveille en nous le 21 septembre, chaque année. Au changement de saison, il y a une ouverture dans l'énergie subtile, dans le plan cosmique, qui nous permet de recevoir et d'acquérir des forces subtiles extraordinaires et qui viennent confirmer tout ce qui a été mis en place durant notre séjour, durant l'année, c'est-à-dire toute la période de l'année, en fait, est suivie de quatre fêtes cardinales. Et ces quatre fêtes cardinales-là ont un lien entre eux.
Parce que, bon, naturellement, à la fête de Noël, c'est la Saint-Gabriel, je vais vous en parler un peu plus tard, et la Saint-Gabriel, on cristallise nos vœux. C'est-à-dire que c'est là qu'on prend la décision de qu'est-ce que c'est qu'on veut accomplir durant l'année qui s'en vient. À partir du mois de mars, tous ces vœux-là qu'on a voulu mettre en force, en conscience, on les plante, on les sème, c'est-à-dire on commence à travailler sur ces acquisitions-là, sur le besoin que nous avons justement d'acquérir plus de grandeur d'âme, plus de puissance, plus d'amour, plus d'allégresse, plus de souplesse, plus d'harmonie. Toutes ces vertus, ces qualités-là, nous pouvons les demander. À partir de la fête de Noël, on cristallise qu'est-ce qu'on souhaite aussi réaliser au niveau terrestre, qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde. Mais à partir de Pâques, on installe ça dans la matière, on commence à l'installer dans la matière et on le cultive ensuite jusqu'à l'été, pendant l'été, jusqu'à la fête justement de la Saint-Jean, qui est encore là, une fête cardinale importante. C'est le solstice d'été où la chaleur commence à faire germer ces forces qui ont été semées en nous, que nous avons souhaité acquérir. Et tout le travail qui se fait dans la nature est un reflet de ce qui se fait aussi pendant le même moment en nous par le biais. Alors, c'est très important de comprendre que tout est interrelié. Et à la Saint-Michel, ben, c'est la récolte. C'est-à-dire que tout ce que c'est que vous allez recevoir dans les semaines prochaines, dans les jours prochains, ce sont les récoltes de toute la ferveur dont vous avez fait preuve durant l'année pour aller chercher justement les acquisitions que vous avez le goût d'avoir pour poursuivre votre chemin d'évolution, d'allégresse, de reconnaissance de vos forces. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de tout ce que c'est que vous allez pouvoir mettre en œuvre en vous maintenant, c'est-à-dire vous stabiliser et réaliser de nouveaux projets, c'est-à-dire grâce à toutes ces manifestations-là qui se sont mis en marche pour vous par votre conscience, naturellement, durant l'année. Et c'est les grands initiés du passé s'occupaient toujours de ça. Mais la Saint-Michel, maintenant, est fêtée aussi par les catholiques. Mais ils la placent le 28 septembre. C'est la fête des récoltes. Ils parlent beaucoup de récoltes, d'abondance. Et ils parlent de l'archange Michaël, l'archange Michaël qui va venir vaincre le dragon. Qu'est-ce que le dragon? Ben en fait, c'est tout le pouvoir négatif qui veut empêcher l'être humain de grandir, d'évoluer. Il veut venir détruire justement cet état négatif que nous portons tous en nous et qui nous fait voir notre grandeur d'âme. Parce que le noir n'est pas inutile. Il sert. C'est comme si c'était le terreau de notre évolution. Alors, tout ce qui est obscur en nous, faut pas le voir comme une défaite, mais davantage comme une force qui peut se transformer en terreau très fertile. Alors, c'est pour cette raison-là que durant l'été, durant toutes ces périodes-là, et surtout l'été, on travaille davantage avec l'extérieur pour aller chercher toutes les puissances et les forces qu'on a acquises, puis on essaye tout le temps d'avoir une avance, une plus grande compréhension de la vie, une meilleure cohésion avec les gens qui nous entourent, un respect, une relation saine avec notre environnement, c'est tellement important. Et surtout par les temps qui courent actuellement, bien, c'est important de penser à qu'est-ce que c'est qu'on veut de la vie, qu'est-ce que c'est que on veut apporter autour de nous comme exemple, comme force, comme puissance, et dans quelles valeurs nous avons envie de vivre notre existence. Est-ce que nous avons envie d'être encore sous le poids d'un fardeau négatif qu'on n'a plus besoin de porter, ou on a envie de vivre dans l'allégresse, dans la souplesse, dans la douceur, dans l'harmonie?
Alors, c'est ça, c'est tout ça qui peut se méditer à l'intérieur de nous présentement et de voir tout ce qui va vous arriver prochainement. Ça va être une ressource ou un bien qui va vous être apporté grâce à tout ce travail que vous avez mis en place volontairement, inconsciemment ou consciemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement à la Saint-Michel. On recommence à travailler, les gens reprennent le travail, les enfants retournent à l'école, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se remettent en place au niveau social, au niveau d'un équilibre collectif, et c'est les emplois, les emplois. Mais ça se passe à tous ces niveaux-là. C'est autant au niveau spirituel, invisible, qu'au niveau physique. C'est possible qu'on vous offre de nouveaux projets, que tous les projets que vous aviez tendance à désespérer de mettre à l'avant se concrétisent tout d'un coup, sans que vous ayez compris pour quelle raison tout à coup tout se déroule facilement d'un coup. Et c'est ça les grâces de la Saint-Michel, c'est ça les grâces que l'invisible nous apporte à la Saint-Michel, à la fête justement d'automne, à ce changement de saison. Et plus nous allons être conscients de l'importance de notre présence sur Terre pour améliorer le sort de la planète et faire en sorte que la vie soit plus facile pour l'avenir, bien plus nous allons grandir en bien-être, en état de grâce et de sagesse. Parce qu'en fait, c'est ça le but de notre existence. On n'est pas ici que pour vivre une existence vide de valeur. Il faut aller chercher à l'intérieur de notre vie le maximum d'outils possibles pour améliorer notre existence et faire en sorte que l'amélioration se perpétue après notre départ. Parce qu'allez pas vous imaginer que ça va être terminé quand vous allez quitter la planète. Au contraire, ça se poursuit sur plein d'autres réalités. Notre vie n'est qu'un nombre ici, comparativement à la vie céleste et cosmique qui nous attend ensuite dans les plans supérieurs. J'en ai déjà parlé. Je vous en parle encore. C'est sûr et certain que lorsqu'on arrive dans le monde spirituel, on vit dans la lumière pure. Mais lorsqu'on est sur Terre, on est dans les contraintes matérielles. Mais plus on vit dans les contraintes matérielles, plus il est important de garder notre alignement et avoir un idéal. Et plus vous allez reconnaître cette force qui vit en vous, et plus vous allez être en contact avec votre idéal de vous améliorer et d'améliorer les gens de votre entourage par votre présence, leur apporter de la paix, de l'harmonie, de la quiétude, plus vous allez sentir une différence dans votre existence et plus vous allez recevoir des grâces lors de ces fêtes cardinales qui sont quatre par année, mais quatre fêtes des plus importantes. Je vais vous en parler à chacune d'elles. Je vais vous mentionner comment on peut faire pour aller acquérir davantage de force. Et ce petit travail-là, qui est simple par la méditation, la marche consciente, la respiration, le pardon, toutes ces qualités, ces vertus qui sont en fait des qualités de base, moi je dis toujours que si on sait travailler avec l'amour, la sagesse, la conscience, la vérité, la justice et la bonté, on a tout obtenu. On peut tout obtenir grâce à ce travail simple qui est toujours de se mettre en devant cette force qui nous habite tous, ce pouvoir de choisir quel intérêt me porte ce matin. Quelles sont les forces les plus valables que je dois mettre de l'avant ce matin? Comment puis-je arriver à communiquer avec mes guides? Comment puis-je arriver à recevoir des messages de mes guides? Mais moi, je vous dirais que plus vous allez vivre en conscience, plus vous allez vivre dans cette compréhension
que nous sommes ici sur Terre pour vivre des contrastes, pour voir la lumière, pour nous permettre de percevoir le bien. Il faut voir des fois les difficultés. On n'a pas le choix. Parce que si on vivait toujours que dans l'allégresse, ben on ne pourrait pas voir tout le bonheur que nous avons de vivre cette allégresse. Alors, ça prend des contrastes. Et c'est sur Terre que nous pouvons vivre ces contrastes. Et ces contrastes nous permettent d'évoluer, de grandir et d'acquérir des grandes forces. Et vous allez voir prochainement, il va y avoir une fête incroyable, c'est sûr, qui se prépare. Je vous en ai parlé, je vous en parle. Le 21 septembre, il y a des portes qui s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait un feu, si on a la chance de faire un feu à l'extérieur. Et on consacre ce feu à l'archange Michaël. On lui demande de bien vouloir venir prendre nos vœux les plus chers, de grandir davantage encore. Et si vous avez envie d'obtenir des choses qui feraient du bien aux gens de votre entourage, comme de la guérison, des manifestations de paix, des manifestations d'harmonie, de quiétude, de transformer cette planète en planète de vie consciente, de faire des vœux, mais qui seraient davantage impersonnels, parce que plus vous allez faire des vœux qui sont d'ordre impersonnel, plus c'est, vous allez acquérir de toute façon une grande force de ces vœux. Et vous allez écrire ces vœux sur un papier parchemin que vous allez prendre la peine d'écrire avec simplicité, sagesse, conscience, vous asseoir tranquille avec une chandelle. Vous allez allumer une chandelle et vous allez faire une courte méditation, histoire de vous mettre dans un état d'harmonie et demander qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre, qu'est-ce que serait mon idéal, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus à ma planète, qu'est-ce que je pourrais donner autour de moi qui ferait une différence, comment pourrais-je servir. Vous écrivez tout ce qui vous vient à l'idée et vous demandez d'avoir les forces et les talents pour pouvoir réaliser vos projets. Ça, vous avez le droit de faire ça. Et c'est ça que vous allez enfin recevoir et apporter encore une fois dans l'année qui vient autour de vous. Vous allez pouvoir recevoir les puissances invisibles qui vont être là pendant la fête de la Saint-Michel, vont vous permettre de ressentir cette énergie et de vibrer à un niveau très différent votre réalité. Et c'est ça qui est important. Parce qu'en fait, on vit une vie souvent. L'autre jour, j'écoutais la radio, puis j'entendais une femme dire: Ah, oh, je suis tellement découragée depuis qu'il y a le COVID, je ne sais même pas pour quelle raison je vis. J'ai appelé SOS Suicide hier en leur parlant de cette détresse qui m'habite. Puis je trouve ça incroyable que les gens ne connaissent pas la raison pour laquelle on vit, puis aujourd'hui, en l'an 2020, qu'on ne sache pas que l'invisible fait partie de notre existence, qu'il n'y a pas que le tangible. Il y a aussi toutes ces forces invisibles qui travaillent justement à la transformation de nos saisons et qui nous apportent toutes ces richesses et ces pouvoirs de cultiver, de manger en abondance les légumes et les bons denrées que la nature a bien voulu nous préparer, grâce naturellement à notre sueur, à notre désir de mettre à l'avant ces cultures. Mais quand même, c'est un cycle de vie infini. Et lorsqu'on voit le cycle de vie qui est infini, pour moi, ce qui est clair, c'est que lorsqu'une pomme tombe de l'arbre, elle tombe, elle mûrit et elle s'enracine et elle donne un autre arbre. Et c'est la même chose lorsque nous partons de notre vie actuelle, nous arrivons dans une autre réalité et souvent, si nous avons mis fin à notre vie pour une raison ou pour une autre, et c'est pour ça qu'elle appelait SOS Suicide ou je sais pas comment ça s'appelait cet organisme-là, de toute façon, elle voulait savoir,
elle était aux prises avec une difficulté énorme et je la comprends, cette dame, qu'elle était aux prises avec cette difficulté. Elle le vivait sincèrement et profondément, cette douleur. Mais le suicide n'aurait rien réglé dans son cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant et aussi longtemps que nous n'arrivons pas à enrayer l'armure en nous, cet étau de force qui nous empêche d'être, de nous sentir libres, nous n'aurons pas la capacité de vivre et nous allons revenir sur Terre. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Il y a des règles karmiques beaucoup plus grandes que nous, beaucoup plus puissantes que nous. Et ces lois karmiques peuvent nous empêcheraient, nous empêchent de ne pas nous développer à bon escient, nous empêchent, si vous voulez, de ne pas grandir, de ne pas apprécier, aimer, reconnaître la force de la vie comme étant un privilège. Nous avons un privilège de vivre et c'est sur Terre que nous devons transformer nos états négatifs. Et le temps que nous sommes sur Terre, nous devons aller chercher des moyens. Et c'est ce qu'elle a fait, la femme. C'est merveilleux. Mais j'aimerais vraiment qu'il y ait de plus en plus de gens comme vous, que vous soyez des pionniers partout dans le monde pour ces gens qui ne savent pas que la vie est un état de paix et d'amour et d'harmonie à partir du moment où on entre en relation avec la véritable existence. Et c'est quoi la véritable existence? Mais en fait, c'est de reconnaître la beauté de la vie et d'apprécier et d'admirer. Et je sais que c'est pas facile avec le COVID d'apprécier et d'admirer la nature, mais c'est rien comparativement à ce que certaines personnes peuvent endurer. Au Québec, on est chanceux. C'est sûr qu'on est obligé de porter des masques obligatoires lorsqu'on va dans des magasins, mais bon, ça prend compte, c'est tellement rapide. On entre, on sort, on est obligé d'organiser notre existence différemment. Et c'est toutes ces forces-là que nous avons dû acquérir en très peu de temps. À partir du printemps et même juste après Noël, on a déjà commencé à rentrer dans une période excessivement dense qui nous a obligés à travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de souplesse et de résilience. Mais cette résilience-là, aujourd'hui, elle peut devenir une force en vous, une puissance qui va vous permettre d'avoir moins de tension. Mais vous devez apprendre à méditer, à utiliser tous ces pouvoirs qui vous habitent pour améliorer votre sort et vivre de façon harmonieuse. Alors, tout ça ne pourra pas changer, c'est des états d'âme. Et c'est pour cette raison que je crée un séjour chaque année qui amène les gens à vivre leur vie différemment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Faut apprendre à vivre avec les qualités et les vertus que nous avons, mais pour ça, il faut les reconnaître. Et pour les reconnaître, ça prend des fois des images ou des moments de paix, des moments grandioses où le lever de soleil s'arrive à nous. Et c'est juste l'été qu'on a l'occasion de faire ça. C'est 6 mois par année. On est assis paisiblement, on reçoit les rayons du soleil, on ressent que ça grandit en nous parce que ça crée quelque chose, ça développe nos glandes, ça développe nos facultés psychiques, ça développe nos qualités et nos vertus, mais ça nous rend plus forts et plus volontaires par rapport à ces épreuves que nous traversons comme le COVID. Ça nous amène dans cet état de reconnaissance, de résilience. Et on se dit, mais quand on a la chance de se voir, mais c'est-tu merveilleux? On a été exclus du monde pendant plusieurs mois. Enfin, on peut se partager des choses, on peut se voir même par Internet. On a plein de cadeaux et c'est à ces cadeaux-là qu'on doit s'accrocher. Et plus vous allez voir,
plus vous allez travailler avec les forces de la nature, plus vous allez bénéficier, si vous voulez, de cette grâce, de cette souplesse, de cette harmonie qui va vous permettre de communiquer avec vos guides facilement, avec ces anges qui nous habitent, ces anges qui habitent nos maisons. D'ailleurs, je vais parler de ça prochainement, ces anges qui viennent habiter nos maisons. D'ailleurs, vous savez que quand arrive justement la fête de la Saint-Michel, il y a beaucoup d'êtres dans la nature qui vont peut-être aller s'installer dans vos foyers, à votre chalet, à l'intérieur, parce que oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis voyante, je vois souvent des êtres de la nature circuler dans ma maison l'hiver. Et je trouve ça très agréable. Il ne faut pas en avoir peur. Et c'est des petits êtres extraordinaires qui nous apportent les richesses. Et c'est de ça que je parle lorsque je parle d'ouverture des portes. C'est qu'on a la chance de pouvoir percevoir tous ces êtres-là qui sont dans l'invisible si on est attentif. Et naturellement, si on a fait un travail de reconnaissance, parce que si on n'a pas la reconnaissance de ce qui est déjà là autour de nous, comment pouvons-nous acquérir la voyance? C'est impossible. Alors, la voyance peut s'acquérir par le biais d'un travail spirituel, par le biais d'une reconnaissance de la beauté de la vie, par la marche, la quiétude, la méditation, le calme intérieur et l'acceptation de certaines situations que nous ne pourrons pas changer. De toute façon, on ne peut pas changer certaines choses qui sont inscrites actuellement. Alors, lors de vos vœux à la Saint-Michel, lorsque vous allez faire un feu sacré, vous allez penser justement à tout ce qui a envie de se manifester en vous et tout ce qui est nocif, tout ce qui est toute cette déprime, cette insatisfaction face à la vie, demandez à ce qu'on brûle ça et qu'on envoie ça loin, loin dans la terre, le plus loin possible, afin que ça vous libère de cette pression, de cette tension, et demandez davantage de grâce et le pouvoir de reconnaître la beauté de la vie. Puis je peux vous raconter une histoire par rapport aux gnomes, aux sylphes, aux elfes, mais je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée à la Saint-Michel en, je crois que c'était en 94 ou en 80, je crois que c'était en 94, 1994. J'étais à Wells et nous avons fait le feu de la Saint-Michel. Naturellement, pour moi, le feu de la Saint-Michel, c'est sacré. Alors, ça prend du bois. Il doit être allumé avec un carton, une allumette de carton ou une allumette de bois. Il ne faut pas mettre de déchets. Il ne faut pas jeter de cigarettes dans notre feu de joie. Il faut que des aliments naturels, des éléments, c'est-à-dire de bois naturel. Alors, il n'est pas obligé d'être gros, votre feu. Vous me faites un petit feu à l'extérieur, en forêt, ben, dans un lieu ou dans votre foyer, au chalet. Et mais ben là, moi, j'étais à la campagne. J'étais à Wells, aux États-Unis, près de la mer, et j'ai décidé de faire un feu sacré. J'étais avec un groupe de personnes et on a fait une invocation pour vraiment acquérir nos forces, nos pouvoirs, puis on était dans un état de joie et d'allégresse infinie. C'était extraordinaire. Tout à coup, on s'est mis à voir danser autour du feu des êtres magnifiques. Il y avait des sylphes, des elfes, des ondines, et tout le monde y était cette journée-là. Toutes les êtres de la nature dansaient autour du feu, mais surtout les gnomes. Les gnomes en quantité incroyable, à un point tel que lorsque nous sommes partis le lendemain, ils nous ont suivis et lorsque je suis rentrée chez moi, mes chats couraient après parce qu'ils avaient décidé, eux autres, de nous adopter. Ils avaient décidé de nous adopter tellement ils s'étaient sentis bien. Puis je pourrais vous en conter plus long de cette histoire parce qu'il est arrivé plusieurs histoires
en cours de route en nous en venant à la maison quand on est revenu de Wells à Montréal. Mais rendu à Montréal, de toute façon, on va s'arrêter là. C'était vraiment magnifique de voir mes chats qui couraient après les gnomes et les gnomes qui traversaient les murs ou les meubles et mes gnomes qui rentraient dans le mur. Mes gnomes ne pouvaient pas croire qu'ils ne pouvaient pas passer comme eux à travers le meuble ou à travers le mur pour se camoufler. Alors, c'est tout ça pour vous dire que dans l'invisible, il y a des êtres exceptionnels, des anges, des archanges. Il y a toute la hiérarchie angélique. D'ailleurs, je vais vous mettre aujourd'hui sur Facebook, sur Inspiration 2020, toutes les hiérarchies, une conférence, une petite conférence très courte du maître Omram Michael à Ivanov pour vous expliquer un peu toutes les qualités et les vertus que nous pouvons souhaiter acquérir pour les temps maintenant, pour la période actuelle et qu'on doit coucher sur le papier. Et ce papier, qu'est-ce que vous allez faire avec? Mais vous allez le mettre au feu pour demander justement à être exaucé. Alors, autant les choses que vous voulez vous dégager, vous débarrasser, autant les choses que vous souhaitez acquérir, vous allez le faire, vous allez le demander dans cet ordre-là. Et naturellement, ce papier doit rester sacré. Alors, vous devez vraiment inscrire votre nom, inscrire le nom de l'archange. Bonjour, archange Michael. J'aimerais te demander de m'aider à améliorer mon existence pour que je puisse aider davantage les gens autour de moi. Si c'est ça, et demandez tout ce que vous voulez demander et demandez à vous dégager de tout ce que vous souhaitez vous dégager pour le bien de l'humanité et signez ensuite votre nom et un gros merci. C'est tellement important de remercier. On ne remercie jamais assez. Et si vous faites ce vœu à le soir de la Saint-Michel, dans votre foyer ou dans votre cour, dans un petit foyer, ou si vous n'avez pas l'occasion, ben moi, à une époque, je n'avais pas l'occasion de le faire. Alors, je le faisais dans mon barbecue, sur mon patio, mais je prenais pas énormément de bois. Je prenais juste des petits charbons de bois normal que je mettais au fond de mon rack à combustion et je mettais mon vœu à l'intérieur. Alors, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Alors, vous êtes intelligent, trouvez des solutions. Alors, soyez bénis. Demandez simplement à recevoir la grâce, recevoir ses grâces, et vous allez voir que vous allez bénéficier de grandes choses. Je vais vous donner un exemple de tout ce que c'est qu'on peut recevoir aussi dans le plan physique. Parce que dans le plan physique, j'ai quelqu'un dans ma famille présentement qui vient de recevoir une offre d'emploi incroyable. Et tout le monde présentement est en train de changer. Alors, tout le monde change d'emploi. Il y a des choses nouvelles qui s'offrent à nous. Et quoi que ce soit qui vous arrive, dites-vous que c'est toujours pour le bien. Puis pendant un moment donné, cette personne a perdu son emploi à cause du COVID. Et cette personne n'a pas arrêté de dire, mais il doit y avoir quelque chose d'autre qui va être favorable. Puis c'était un gros emploi qu'elle avait. Elle avait un emploi très intéressant. Et elle a été congédiée obligatoire parce qu'il y avait trop de coupures budgétaires. Mais je peux vous garantir que le ciel a vu à quel point elle était résiliente, qu'elle était compréhensive et qu'elle ne restait pas dans la colère de la perte, mais davantage dans l'action de reconnaissance de ses forces. Et savez-vous quoi? Par la magie, elle a reçu une offre d'emploi qui est encore plus valable que celle qu'elle avait. Et elle commence le 28 septembre, qui est le jour officiel pour les catholiques à la Saint-Michel. Alors, ça vous donne une idée. Alors, il faut jamais, jamais être déçu ou être découragé d'une situation. Il faut toujours essayer de voir pour quelles raisons on nous fait vivre cette situation. Quelles sont les raisons derrière?
quelles sont les raisons cachées? Alors, je vous souhaite à tous de passer une très, très belle semaine et surtout le 22 septembre ou le 21 septembre, le 20 septembre, les 20, 21, 22, soyez attentifs et à partir de maintenant et commencez dès aujourd'hui à mettre sur papier ce que vous souhaitez obtenir durant l'année qui vient et ce que vous souhaitez vous dégager, et vous allez obtenir des grâces incroyables, je vous le garantis, car c'est la fête de l'abondance, c'est la fête des récoltes. Vous allez maintenant récolter ce que vous avez semé depuis un an, mais l'année prochaine, vous allez récolter ce que vous allez demander en même temps que vous allez vous dégager. Ce que vous allez demander cette année, vous allez le recevoir durant l'année. Et c'est à vous d'être attentif et de recevoir et de percevoir cette vibration qui va vous être rendue. Alors, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Et si vous avez des questions, je peux vous offrir un petit temps pour y répondre. Mais je ne vois pas grand question à date. Tout le monde a juste salué. Bonjour, bonjour, c'est de la magie. Et si vous avez quoi que ce soit à me demander, gênez-vous pas pour m'écrire. Venez voir mon site, vous allez voir, vous allez avoir des exercices, un travail énergétique qui peut se faire à l'année et un travail de compréhension de la vie qui est tellement important. Parce qu'à partir du moment où on comprend que on a des temps dans la vie pour recevoir et faire des demandes et qu'on reçoit toujours de ça. C'est la nouvelle lune aujourd'hui, le 10 vœux. Eh bien, c'est beau. C'est la nouvelle lune, effectivement. Alors, c'est la nouvelle lune, mais la fête solaire, c'est une fête solaire, la fête cardinale. C'est pas une fête lunaire, mais tant mieux si elle est en nouvelle lune, parce qu'en lune montante, c'est le temps de faire un travail justement d'acquérir nos forces, nos puissances, d'aller chercher toute notre reconnaissance et de reconnaître la beauté. Reconnaître la beauté en nous, reconnaître nos qualités et les mettre par écrit, ces qualités. Écrivez-les, les qualités que vous avez acquises durant l'année. Elles vont se multiplier ensuite parce que vous allez devenir conscient de ces qualités. Et c'est important parce qu'on est ici pour améliorer notre existence, pour ne pas arriver de l'autre côté et être déçu aussi en même temps. On ne peut pas, on n'a pas envie d'arriver dans l'autre plan puis dire « Ah, oh, mon Dieu, j'aurais donc dû! » Alors, on a le goût de tout réaliser dans cette vie-ci. Alors, on doit mettre en pratique tout ce qui nous est donné pour apprécier la vie. Puis pour apprécier la vie, en fait, la plus grande des forces qui nous habitent, c'est l'amour. La reconnaissance de la beauté qui nous entoure va nous aider à raffiner, raffiner nos dons, nos possibilités, nos vertus, nos qualités. Bonne semaine à tous et bonne fête de la Saint-Michel. Bonne fête des récoltes. À bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.